والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤياد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى، قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أمن بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أمن بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. Chers frères, si nous nous posons ensemble la question, une question très simple: qu'en est-il de notre état, nous tous qui sommes présents ici? Si nous posons la question, sommes-nous des gens pieux? Sommes-nous des muttaqin? Sommes-nous des gens qui peuvent être considérés ou assimilés comme des gens religieux? Sommes-nous des gens pieux ou non? Eh bien, alhamdoulilah ta'ala, notre présence, votre présence, prouverait que, alhamdoulilah, nous sommes des gens pieux. Nous sommes des gens qui sont religieux, inshallah wa ta'ala. Mais il y a un problème. Tout en étant religieux, tout en étant pieux, il est fort possible que je dérape. Il est fort possible que j'oublie ce que doit être un religieux dans cette communauté. Qui sont les religieux? Qui sont les pieux? Voyez-vous, alhamdoulilah, dans la culture générale, nous savons très bien que le religieux doit avoir au moins deux qualités. Il fait des bonnes actions et évite les mauvaises actions. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps, il le désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le religieux, c'est celui qui commet des bonnes actions et ne commet pas des mauvaises actions. Alhamdulillah wa ta'ala, nous faisons beaucoup de bonnes actions. Et alhamdulillah, en même temps, nous évitons les mauvaises actions, les actes de désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran, quand il parle des qualités du croyant. Qui sont-ils ces croyants? Ce sont des gens qui évitent les mauvaises actions. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, sur le Mouminoun, le chapitre 23 du Saint-Coran, dans le verset 3, voilà ce qu'il dit. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, walladhinahum anillahwe. Les croyants, qui sont-ils? Ce sont des gens qui s'écartent de toute futilité. Donc le croyant est celui qui évite de rentrer en contact avec l'acte de désobéissance ou l'acte qui est négatif. Encore mieux, dans ce même chapitre, sur le chapitre 23 du Saint-Coran,
Verset 5, tout à l'heure, c'était le 3, là, un peu plus loin, verset 5. Il parle, il dit, « Bismillahirrahmanirrahim, walladhinahum lifurujihim » Qui sont les croyants? Les croyants sont ceux qui sont remplis de chasteté. Ce sont les gens qui évitent de rentrer dans l'illicite. Les furujihim, afirun, ceux qui préservent leur sexe, leur chasteté de tout acte illicite. Alhamdoulilah. Nous tous ici, nous essayons d'être des gens pieux, des gens qui sont croyants. Mais ce positionnement vis-à-vis de l'acte illicite, c'est normal. Et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. La preuve, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit « Man ra'a minkum munkaran » Man ra'a minkum munkaran. Celui qui parmi vous voit munkar, un acte qui est réfuté, qui n'est pas à faire. Man ra'a minkum munkaran. Il est de son devoir de changer cette action-là. Celui qui voit quelqu'un en train de commettre un munkar, comment bien traduire le mot munkar? Aidez-moi. Turpitude. Turpitude, c'est al-fahisha. Selon la Muhammad ou al-Muhammad. Ah, ça, un acte ré. C'est trop dur pour moi tout ça. Indésirable, voilà, plus facile pour tout le monde. Man ra'a minkum munkaran. Celui qui parmi vous voit un acte méprisable à ne pas commettre. Le prophète, il est de son devoir de changer cela. Mais avec quoi? Avec la main. C'est-à-dire, il fait le nécessaire que ce munkar, cet acte qui est mauvais, disparaisse de la communauté. S'il n'est pas capable de changer cela avec sa main, avec ses actes, qu'il essaie de changer cela avec sa langue. Il lui dit, cher frère, cet acte n'est pas bon. C'est un munkar. Tu es mu'min. Viens. Et s'il n'est pas capable de changer cela, ni avec la main, ni avec la langue, eh bien qu'il essaie de changer avec quoi? Avec son cœur. Comment changer avec le cœur? Avec la main, il y a moyen. Avec la langue, il y a moyen. Le prophète a dit, c'est le minimum requis pour la foi. Quoi? Ne pas aimer al-munkar. S'écarter de munkar. Éviter le munkar. Haïr l'acte qui n'est pas bon. C'est la moindre des choses. Moindre des choses. Voyez-vous, en étant pieux, nous faisons beaucoup de bonnes actions. En étant pieux, inshallah ta'ala, nous évitons toujours les mauvaises actions. Et la moindre des choses, le prophète nous dit, « Wadhalika ad'aful iman » Nous sommes tous mu'minis, nous sommes tous des croyants. Et encore mieux. C'est la plus petite, la moindre des excuses qui sera suffisante le jour du jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous est dit par notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Il nous dit Hasbul mu'mini udhra. Hasbul mu'mini udhra. Pour le croyant, en tant qu'excuse, pour nous tous, en tant qu'excuse, Hasbul mu'mini udhra. Udhra, c'est-à-dire une excuse. Cette excuse sera suffisante et valable. Pour qui? Hasbul mu'mini udhran idara munkaran. Les frères qui comprennent l'arabe, c'est très clair. Cette excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera suffisante quand le croyant voit un acte à ne pas faire, un acte de munkar. Et que Allah subhanahu wa ta'ala sache de son cœur, de son intention,
أن يعلم الله من نيته أنه له كاره. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sache que moi je ne commets pas l'acte qui est munkar, mais au moins, je n'aime pas celui qui le commet. Cet acte-là, je ne l'aime pas. Voyez-vous, chers frères, pour être pieux, bonne action, et éviter les mauvaises actions. Mais cela est quoi? C'est vis-à-vis de l'acte lui-même. C'est vis-à-vis du péché lui-même. C'est vis-à-vis du munkar lui-même. Mais la question qui se pose, jusqu'à là, nous avons tous bon. 20 sur 20. Bonne action, je l'ai fait, alhamdoulilah. Mauvaise action, je la réprouve. Voilà, je la réprouve. Tout est bon jusqu'à là. Mais la question qui se pose est celle-ci. Si je réprouve, comme a dit mon frère, la mauvaise action, qu'en est-il de ma situation vis-à-vis de ceux qui la commettent? Les gens qui se sont dévier de la bonne voie, est-ce que là aussi je dois être quelqu'un qui haït ces gens-là? Les gens qui commettent les mauvaises actions, est-ce que je dois les réprimander? Je dois les boycotter? Est-ce que je dois les sortir de la communauté? Est-ce que je dois être rude et dur vis-à-vis de ces gens-là? Il est là le problème. Je n'aime pas l'acte de péché. Je n'aime pas l'acte illicite. Mais en est-il de même pour celui qui commet ce péché? En est-il de même pour celui qui commet cet acte illicite? Et là, l'islam nous apprend. Et c'est là que je risque de déraper. C'est là que je risque de dévier. Nous avons tendance à envoyer tout le monde en enfer. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait donné la clé de l'enfer. Et m'avait dit, chef Moïse, il est de ton devoir de juger tout le monde. C'est à toi que nous donnons l'autorité de dire qu'un tel va aller en enfer. Un tel va subir des problèmes dans sa tombe. Un tel va avoir tel problème. Et c'est ça. Dans la communauté pieuse, voilà le risque de dérapage. Voilà pourquoi l'islam nous apprend. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il nous dit yambaghi li ahli al-ismati an yarhamu ahli al-dhunub wal-ma'siya. Les frères qui comprennent l'arabe, vous avez compris. Yambaghi li ahli al-ismati an yarhamu ahli al-dhunub wal-ma'siya. Il est du devoir de celui qui est impeccable. Ici, voyez-vous, le mot, c'est quoi? Ahlil isma. Le mot isma, c'est un mot qui est connu chez nous, pour les dieux de Sima. C'est quoi l'isma? C'est l'impeccabilité, comme dit mon frère. C'est l'infabilité. C'est être immaculé. Al-isma, être ma'soum. Imam Ali Islam nous dit, yambaghi li ahlil isma. Ici, il ne s'agit pas de l'infaillible dont Dieu parle dans le Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu Allahu. Chapitre 33, verset 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Ahlil Isma, c'est celui qui se préserve. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous tous. L'imam al-Islam nous dit à nous, yambaghi li ahlil Isma, an yarhamu. Ils doivent être cléments, indulgents, miséricordieux vis-à-vis des gens qui sont engouffrés. Dans quoi? Ahlil dhunoub, des gens qui commettent le péché. Des gens qui commettent la désobéissance, al-ma'siya. Il ne faut pas boycotter ces gens-là. Si je les écarte de la communauté, qui va les faire revenir ici? Si moi je ne le salue plus en disant, oh toi tu es quelqu'un qui ne vient même pas à la prière de vendredi, toi tu n'es jamais présent à la prière du jeudi soir, on ne te voit jamais dans les prières, tu n'es pas pieux, soi-disant. Et donc, tu ne mérites pas d'être salué. Tu dois être quelqu'un qui doit être boycotté.
avec qui les relations seront de plus en plus froides. Est-ce que c'est cela que l'islam m'apprend? C'est très facile. L'exemple de notre vie quotidienne est tel. Est-ce que nous avons des médecins ici? Un docteur? Il y a quelqu'un des médecins ici? C'est pas possible ça. Il y en a, voilà, il y en a un qui est assis là-bas. Un, ah, docteur, l'argentin, mashallah. Salut Allah Muhammad ou Allah Muhammad? Quand nous allons voir un médecin, le médecin est en train de combattre la maladie, non pas le malade. Un médecin, quand on lui présente un malade, il ne combat pas celui qui est malade, il combat la maladie par laquelle est atteint le malade. Et donc le pécheur, celui qui a dévié du bon sentier, est quelqu'un de malade. Nous ne devons pas réprimander le malade, mais combattre sa maladie. Ne pas aimer le péché, ok. Mais attention, il ne s'agit pas de haïr celui qui est malade. Il faut combattre sa maladie et non pas le malade lui-même. Voilà ce que l'imam alayhissalam est en train de nous apprendre. Et encore mieux, imaginez cette maladie dans notre communauté. Inch'Allah ta'ala, elle n'existe pas. Au temps de notre septième imam, l'imam Moussa al-Kadhim alayhissalam. Même ses disciples, quelqu'un comme moi, quoi, très chaud, extrémiste, qui se croit le meilleur des pieux, il s'appelle Zayd. Il lui dit, Ya Rasulillah, inna min waliyaka. Au fils du prophète, des gens qui font partie, qui sont des partisans, des ashab, des compagnons. Walik, ils t'aiment beaucoup, Ya Rasulillah. Mais ils sont alcooliques. Ils boivent. Ibn Rasulullah, hal natabarramin? Est-ce que nous nous écartons de ces gens-là? Des gens qui font partie de notre communauté, de votre communauté, Ibn Rasulullah, hal natabarramin? Mais vous, le mot tabarra, c'est mal enseigné. Je le dis souvent, le mot tabarra, c'est pas de maudire les gens, c'est pas de dire l'anat, 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 c'est pas ça. Est-ce que nous prenons en considération l'état dans lequel il est? Est-ce que nous devons cautionner son acte? Le septième imam a dit, La tatabarraw minhu walakin tabarraw min fa'lih ahibbuhu wabghadu amalah. Non! C'est un buveur, hein? Ne le désavouez pas, lui. Lui, c'est un malade. Soyez contre le fait, son acte. Soyez juste contre son acte, pas contre lui. Et au contraire, aimez-le. Aimez-le. Et haïssez son acte. Voyez-vous, cher frère, en étant pieux, nous n'aimons pas l'acte illicite. Mais le problème, nous n'aimons pas aussi celui qui l'a commis. L'islam nous demande combattre la maladie et non pas le malade. Ces malades, il faut les guérir. Comme un médecin, il faut les ramener sur la voie droite. Et nous avons encore mieux. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est venu voir le prophète, on lui a dit, Ya Rasulallah, un tel boit de l'alcool et nous allons le châtier. Et avec les disciples et les partisans du prophète, il y avait un compagnon du prophète qui s'appelait Cheikh Moïse. Il était là avec le prophète. Dès qu'il a vu quelqu'un d'alcoolique se présenter devant lui, ils étaient beaucoup, hein, Cheikh Moïse, sa famille, des gens comme Cheikh Moïse, tout cela. Il y en a un qui a dit, l'anatullah alay. Il y en a un autre qui a dit que tu sois pris, brûlé dans l'enfer.
et que tu rentres dans les profondeurs de la tombe, que tu sois châtié dans la tombe. Le prophète a entendu de cela, a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Dites, Ghafarallahu lahu wa rahimahullah. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala la clémence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Chers frères, nous ne devons pas être des extrémistes. S'il y a des gens, s'ils sont déviés de la bonne voie, ce n'est pas forcément par leur propre volonté. Quand des gens commettent la mauvaise action, il y a bien des causes différentes à chaque situation. Il y en a qui commettent l'illicite par ignorance, ils ne savent pas. Il y en a qui commettent al-jahl, il y en a qui commettent par al-ghafla, l'insouciance. Il y en a qui commettent l'illicite ittifaqan, par circonstance. Ils ne savaient même pas, et je ne sais pas moi, ils ont glissé. Tout le monde était en train de danser, donc il s'est dit, moi aussi je vais un peu danser. Il n'a pas mesuré ses actes, il a glissé. Ittifaqan, circonstanciel. Et il y en a d'autres qui sont israran. Comment bien traduire israran? Allez, professeur, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad. Il répète et répète et répète les mêmes erreurs. Et donc il n'est pas rapide. Il y a des gens qui commettent l'illicite par ignorance, par insouciance, par circonstance. Et il y en a bien d'autres qui sont des rebelles, qui, voilà, ils sont coutumiers du fait. Et donc nous ne savons pas celui qui a dérivé ou celui qui a dévié ou celui qui a glissé de l'autre côté, il n'est pas de notre devoir de juger tout cela. Il est de notre devoir de les ramener vers nous. Voyez-vous, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Saint-Coran. Il y a notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans le chapitre 16, surat Nahl, verset 125, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati l'hasana. Appelle les gens avec la sagesse, avec la bonne parole, la parole positive. Quand tu discutes avec eux, tu discutes de la meilleure des façons. Pourquoi? Voyez-vous la séquence juste après? Oh mon prophète, ton Seigneur est plus connaisseur que toi, surtout vis-à-vis de celui qui est dévié. Toi, tu ne sais pas pourquoi il est dévié. Toi, tu ne sais pas pourquoi il a commis l'adultère. Toi, tu ne sais pas pourquoi il a glissé. Toi, tu ne sais pas pourquoi il s'est dévié du bon sentier ou de la voie droite. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. La voie est à lui et c'est lui qui est le plus connaisseur. Pourquoi un tel a bifurqué? Et en même temps, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et ô mon prophète, et en même temps, il connaît mieux que toi aussi pour celui qui a été bien guidé. Ce n'est pas à toi de juger. C'est moi le Seigneur, je connais pourquoi un tel est dévié. Donc, chers frères, dans la société pieuse, dans la communauté pieuse, être pieux, c'est bien sûr ne pas s'approcher des péchés, mais en même temps, être clément, miséricordieux. Quel était le mot par le professeur? Indulgent. Essayez de ramener, comment on dit les brebis qui sortent là, comment on dit ça? Les brebis égarés, il faut les ramener où? À l'état ou pas? À la mosquée. Les brebis, ils sont, ce n'est pas des brebis quand même. Salut à Muhammad ou à Muhammad. Les moutons et les brebis qui se séparent des troupeaux, il faut les ramener à l'étable. Le frère a dit, il faut les ramener à la mosquée. C'est pas un problème, hein? C'est pas un problème. Cette terminologie a été même utilisée, comme il en parle, donc je vous en fais part. Cette terminologie de mouton et brebis à la mosquée a même été utilisée par
aux imams, je vous en donne la preuve, comme ça vous êtes quittes. Notre premier imam, Imam Ali ibn Talib alayhi salam. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Salut à la Muhammad ou à la Muhammad. Et donc, chers frères, haïr la mauvaise action, 20 sur 20. Mais ceux qui sont déviés, ceux qui ont dérapé, il faut les ramener sur la voie droite. Qui sommes-nous? Je me souviens, avant quelques mois, j'avais raconté une histoire, et j'ai un peu le temps, on est à 25 minutes, on va aller jusqu'à 30, Inch'Allah. Nous avons un waliullah, quelqu'un de très pieux, que l'histoire nous raconte, il s'appelle Ma'ruf al-Kharqi. Des gens qui lisent beaucoup, mashallah, comme professeur là, quelqu'un à Bagdad qui était très pieux. Et l'histoire nous relate qu'il était encore une fois assis avec Cheikh Moïse à côté de lui. Toujours les gens qui dépassent les limites, qui se montre être plus pur que pieux, plus royaliste que le roi. Et là, il est assis à la rivière de Dajla, en Irak. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une petite pirogue passer devant eux. Et sur la pirogue, il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont en train de faire la fête, qui sont en train de boire de l'alcool. Et là, Cheikh Moïse a dit, « Ya Ma'ruf al-Kharqi, regardez cela. » Ils sont en train de commettre l'illicite de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, même sur l'eau. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, le gars. Ils sont en train de désobéir à Allah même sur l'eau. C'est-à-dire, il voulait dire peut-être, pas seulement sur la terre ferme, mais ces gens-là, ils n'arrêtent même pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sur l'eau. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les maudire, ces gens-là. Ma'ruf al-Kharqi. Cheikh Moïse demande, demande-les de maudire. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, maudis-les. Et Ma'ruf al-Kharqi lève les mains au ciel et dit, Allahumma, écoutez bien, c'est top, hein? Allahumma, inni as'aluka an tufarri'ahum fil jannah kama farrahtahum fil dunya. Incroyable. Ce sont des gens qui sont en train de commettre l'illicite. Et Ma'ruf al-Kharqi fait droit. Oh mon Seigneur, je te demande de les donner la même joie au paradis que celle que tu leur as octroyée ici dans ce bas monde. Et donc là, Cheikh Moïse, il est hors de lui. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur? Des gens qui sont alcooliques et tu demandes à Dieu que Dieu leur donne la même occasion au paradis? Et là, Ma'ruf al-Kharqi dit, mais qu'est-ce que ça te coûte si ces gens-là vont au paradis? Toi, qu'est-ce que ça te coûte? Et que Dieu leur donne l'occasion de faire un tawba, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et que par la suite, ils aillent au paradis, qu'est-ce qui te coûte à toi? Est-ce qu'ils vont habiter dans le même paradis que toi? Qu'est-ce qui te coûte? Pourquoi voudrais-tu envoyer les gens en enfer? Il faut ramener tout le monde. Voilà le mot, il est venu au bercail. Les moutons à l'étable, il faut ramener les gens qui sont déviés. La communauté pieuse n'est pas seulement pieuse grâce à ses bonnes actions ou seulement grâce au fait qu'ils haïssent la mauvaise action. Non! La communauté pieuse, ils n'aiment pas l'acte illicite, mais ils essaient de guérir ceux qui la commettent. Tous ceux qui sont déviés, sont-ils pires que le pharaon? Pharaon? Allah subhanahu wa ta'ala a même placé, on va dire, un petit brin d'espoir. Même Pharaon, il faut le ramener celui-là aussi. Alors là, il est le pire des pires. Il en aura beaucoup là, là. Lui, il s'est mis à la place du Seigneur. Et même là, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, même celui-là, il faut le ramener au bercail. Allah subhanahu wa ta'ala dit, chapitre 20, sourate Taha. Verset 43-44, il dit aux deux frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Moussa wa Haroun, alayhi wa salam, allez vers Pharaon, innahu tagha. Il a excédé, il a dépassé les limites.
Et dites-lui la parole layyin, douce. Il est fort possible qu'il s'en rappelle et qu'il craint Allah. Même Pharaon, il faut le ramener. Il faut le ramener. Et donc, dans notre communauté, c'est un devoir de chacun d'entre nous. Rahmatul Usat, les gens qui ne sont pas sur la bonne voie, il ne faut pas les haïr, eux. Il faut haïr la maladie dans laquelle ils sont. Il faut guérir leur maladie et non pas les enterrer vivants avec leur maladie. Le médecin est celui qui combat la maladie et non pas le malade. À moins que, docteur, ça vous arrive, quand quelqu'un se présente avec vous avec la maladie, vous dites « Oh, toi, t'es fichu, toi, je vais t'enterrer. » On lui propose des médicaments. On essaie de faire quelque chose. Oui, il y a des maladies dont on n'a pas de cure. Il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de médicaments. Quelle est cette maladie? Je finis là-dessus. La mort. Le prophète a dit la mort. Toute maladie a un médicament sauf la mort. Il n'y a pas de maladie pour la mort. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن المجتبى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسين الشهيد اللهم صل على محمد وعلى علي بن الحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد بن علي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جعفر بن محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى موسى بن جعفر اللهم صل على علي بن موسى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد بن علي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى علي بن محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن بن علي العسكري اللهم صل على حجة القائم المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وعلى